Vous êtes ici sur un territoire qui est parmi ceux qui ont la plus grande biodiversité naturelle en Europe, sous ses latitudes, et de même une des plus grandes biodiversités cultivées au niveau agricole, puisqu'on peut, de par la convergence des quatre climats, on peut cultiver quasiment toutes les espèces végétales qui sont cultivables en France. Ça donne déjà une idée de pourquoi le projet BioVallée a pu naître ici. Quindi il lavoro che si sta facendo sul territorio grazie all'azione del biodistretto è di continuare questa attività che Slow Food ha voluto riconoscere al territorio. C'est un pays, le Diwa, et on va parler de la BioVallée et de la BioVallée, qui est assez remarquable parce que c'est la densité la plus importante où l'on trouve des agriculteurs bio. Une exploitation pratiquement sur trois est en agriculture bio. Cette richesse naturelle, elle se traduit par un paysage qui est somptueux. Et là, les élus, ça aussi, s'en sont bien rendus compte. Ils ont tous compris, je parle souvent des élus parce que c'est eux qui structurent aussi la décision publique, ils ont tous compris que ce paysage était une richesse considérable. Ils ont également compris le rôle que pouvait avoir l'agriculture biologique dans ce paysage. Le village est passé en bio en 95. Bon, il faut reconnaître que c'est une belle réussite en termes d'environnement, j'y reviendrai tout à l'heure, une très belle réussite en termes d'économie. Depuis, la moyenne d'âge des agriculteurs a beaucoup baissé. On est donc passé dans un paysage beaucoup plus jardiné, un paysage où le paysan regarde beaucoup plus les choses, entretient mieux l'espace. Et on est également passé dans un paysage où les déprises agricoles, les terres abandonnées ont complètement reculé ou disparu. Ces nouvelles formes d'agriculture qui cherchent à conjuguer qualité territoriale, qualité paysagère, qualité de l'alimentation, qualité des ressources, ça c'est quelque chose qui ouvre vers l'avenir, hein, qui est en quelque sorte dans une vision prospective de la société. Et donc la permaculture, c'est un système de conception où, comme dans un écosystème naturel, on va essayer de mettre les choses en relation, de créer des connexions entre tous les éléments du système. Et donc c'est plus un système conceptuel qu'un ensemble de techniques. On trouvait que c'était un message fort que de montrer que ben il y a la partie agricole et la partie du revenu de l'agriculteur, mais il y a aussi maintenir des éléments de richesse des paysages qui permettent d'améliorer la biodiversité aussi. Ce qui tout de suite amène une notion de paysage, quoi. C'est-à-dire qu'il faut considérer chaque partie, mettons un champ, une prairie, la forêt, comme un organe d'un tout qui serait l'organisme agricole. Plus concrètement, dans le cahier des charges, il est demandé au minimum d'avoir 5% d'espace naturel pour le point de départ de l'approche du concept paysager d'agriculture biodynamique. Mit der Landschaft kann man eine Landwirtschaft ganz entschieden weiterhelfen, zu einem Organismus zu werden, der sich weiterentwickelt. Quindi, nel nostro modello, l'azienda agricola, come l'essere umano, è composto da molti organi. Contribuiscono a costruire quella complessità dell'ecosistema che è un vero e proprio organismo vivente. La volonté était d'arriver à montrer qu'on est dans un espace construit et que l'agriculture modifie forcément le paysage. Donc à partir de là, on a cherché donc à ouvrir cet espace et à permettre aussi que d'autres personnes puissent porter un regard. Sur un espace agricole voulu comme contemporain et voulu comme affichant des images nouvelles. Das ist vielleicht auch ein bisschen was ja, Neues oder Besonderes, weil normalerweise wird der arbeitende Mensch aus dem Park rausgeschmissen. Et toutes les expériences que j'ai fait m'ont permis d'amener mes associés à mieux appréhender l'agriculture biologique. Et nous, on essaie d'intégrer le savoir des paysans dans nos activités de recherche. Une bonne partie des effets de l'agriculture sur la biodiversité sont déterminés non pas seulement par des pratiques à l'échelle de la parcelle, mais plus encore par le rôle
qu'a l'activité agricole dans la gestion des paysages. L'agriculture biologique, si elle veut aller au bout de sa logique, qui est quand même de nourrir la planète avec des produits sains, doit se donner comme objectif de produire le plus possible, mais de façon durable. L'organisation de l'espace est une des composantes agronomiques pour arriver à cet objectif. Vous êtes ici sur l'espace test des Compagnons de la Terre, où les gens viennent tester leur activité avant de créer leur entité juridique et de réellement s'installer. Au sujet de l'aménagement du paysage, nous, on contrôle l'aménagement global de l'exploitation, c'est notre rôle en tant que structure. Ensuite, tout ce qui va se passer au niveau des parcelles, on ne le maîtrise pas puisque c'est les porteurs de projets qui viennent entreprendre leur culture. C'est une question qu'ils ont traitée et qu'ils ont à cœur. Il y a un double constat, donc il y a un constat paysager, il y a un constat écologique. Moi j'ai décidé d'agir dans ce sens-là en proposant aux agriculteurs de concevoir un système écologiquement performant. Ho trasformato l'azienda agricola in un'azienda agricola biologica, sistemando, razionalizzando il terreno. Per me questa scelta, diciamo, del biologico, ciò vuol dire una cultura all'ecologia, al pulito, dà forza anche a una crescita sana della famiglia. L'agriculture biologique aussi, c'est aussi être bien dans ses vignes et que ses vignes soient bien dans le paysage. L'idée de la Gesamtheit du Betrieb, de la Harmonie im Betrieb, kommt eigentlich, soll auch sein, als une Harmonie, die hebt für immer. Ouvrir là en priorité, maintenir l'ouverture avec une activité agricole, eh ben, ça permettait de convaincre les gens, de convaincre les villageois que ben, finalement, c'est peut-être pas plus mal de couper tous ces arbres qui nous ont envahis. Et j'ai pu acheter des friches, beaucoup de fois des endroits que personne ne voulait parce que c'est ceux-là qui étaient à vendre. Et ça m'a obligé un peu à trouver aussi des idées sur le circuit ou le cheminement culturel. Quand on a démarré la vente directe, on utilisait très très volontiers le slogan en disant mettez un visage et un paysage derrière votre consommation. Je pense que ce qui sauvera l'agriculture européenne, ce sera vraiment ça, c'est que les consommateurs arriveront à voir pour qui ils achètent et pourquoi ils achètent. Et les dimensions qualité de paysage, biodiversité, qualité de l'eau, etc. seront des questions prépondérantes.